Salut, salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info Assis d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, j'étais vraiment étonné. Pas que c'est pas normal, c'est tout à fait normal, mais j'étais vraiment étonné de voir que une personne a contacté un infographe pour juste faire un logo. Voilà, pour juste faire un logo. Pourtant, tu as la possibilité de faire un logo, de faire ton affiche publicitaire, de faire plusieurs trucs simplement toi-même sans besoin de formation, sans besoin même de t'y connaître en infographie, je vous le dis. Et lorsque elle a donné, l'infographe lui a demandé une somme de 30 000 francs pour juste faire un logo. Pourtant, elle-même pouvait s'asseoir sans connaissance, faire son logo. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce tuto ce soir-là pour vous montrer comment vous pouvez faire votre logo vous-même à la maison, votre affiche publicitaire, tout ce que vous voulez chez vous à la maison sans rien dépenser. Donc suivez ce tuto, vous allez voir comment il est possible de créer son logo et faire son affiche publicitaire sans rien connaître en infographie. Donc vous allez vous rendre sur le site Poster My Way. Voilà, Poster My Way, c'est marqué ici. Vous allez taper sur Google Poster My Way. Je vais vous montrer comment ça se présente avant de vous montrer comment vous allez taper. Lorsque vous allez entrer sur Poster My Way, il va y avoir plusieurs affiches qui vont se présenter à vous. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Si vous voulez pour des événements, pour ceux qui vont plus à l'église, qui veulent faire des affiches publicitaires, simplement, il suffit tout juste de changer les images seulement et changer aussi les, comment dirais-je, les écrits et tout, et vous avez votre affiche publicitaire. Voilà, lorsque j'appuie par exemple ici sur par exemple église, vous allez voir qu'il y a plusieurs affiches publicitaires. Tu n'as pas besoin de te une infographie pour modifier, c'est vraiment tout simple. Par exemple, si j'appuie sur celui-là, j'appuie sur personnaliser le modèle. Voilà, personnaliser le modèle. Voilà, ça se présente comme ça. Si je veux changer ça, il suffit tout simplement d'appuyer dessus. J'appuie sur la barre, tout juste en bas, je change le nom, j'efface et mets mon nom. Ah, mais tout simplement, ainsi de suite. Si je veux changer sa photo, je déplace juste en haut. Je vais voir, vous allez voir remplacer photo juste en bas. Vous allez appuyer sur remplacer photo et vous allez voir que ça va se faire. Voilà, voici c'est verrouillé. Voilà, on va déverrouiller. Quand ce n'est pas obligé que c'est verrouillé, on fait remplacer la photo. Et vous allez remplacer la photo, vous allez mettre votre photo, vous allez mettre les images ici, remplacer tout, tout. C'est vraiment très facile, je vous le dis. Voilà, donc donner de l'argent pour faire ces affiches publicitaires, je pense que c'est vraiment de trop. Mais comme on le dit, quand on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire, tout simplement. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce tuto pour vous montrer tout ce que vous devez savoir cette nuit avant de contacter un infographe. Voilà, je vais rentrer dans Poster My Way. Vous voyez, c'est ça, vous allez taper sur Google, Poster My Way. Une fois rentré ici, voilà, ça c'est les différentes affiches que j'ai déjà fait avec l'application. Voilà, tout ce que vous voyez là, c'est avec l'application que j'ai fait. C'est avec le site que j'ai fait. Je viens sur mon contenu, bon, ça va venir ici, je viens ici créer une conception. Voilà, donc là, je vais vous montrer comment il est possible de créer votre logo. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs thèmes. Il y a restaurant, pour ceux qui ont un restaurant, il y a le ramadan, ceux qui veulent faire personnaliser pour le ramadan, santé, entreprise, voilà. Donc nous, il y a le même pour les bars, qui ont un bar, ceux qui ont un club de fitness, voilà. Donc on va chercher logo, on va chercher, voilà, logo ici. Ce que tout le monde voit, logo, voilà. On va appuyer sur logo. Bon. Et lorsque vous appuyez sur logo, il y a divers choix qui s'offrent à vous. Comme vous pouvez le voir, divers choix. Vous allez choisir ce que vous trouvez cool et vous allez personnaliser. Et ce sera votre logo, tout simplement. Vous allez pouvoir déplacer tout ce que vous voulez, ajouter tout ce que vous voulez. Voilà. Par exemple, je vais chercher un très bon logo. Un très joli logo. Voilà. Pour ceux qui sont dans un truc, comment dire, dans la vente. C'est le logo là qui est là pour vous. Voilà. Ceux qui sont dans la vente, il suffit tout juste d'appuyer dessus et vous allez faire personnaliser le modèle. Voilà, personnaliser le modèle. Et voilà. Donc tout ce qui est là, vous allez changer. Si j'appuie dessus, je viens à côté, j'efface ce qui est marqué. Voilà, je mets mon nom Amé, tout simplement Amé Store. Voilà, comme vous voyez, Amé Store. Je peux déplacer à ma convenance. Voilà, le store, il peut être par exemple comme ci. Et je mets ici
prêt à porter, nanani, nanana, voilà. Bon, vêtements, il y a quoi encore là même? Je peux mettre sac, hein, il y a quoi encore là même? Je sais pas, je peux mettre chaîne, voilà. Il y a de tout, vous pouvez personnaliser le personnage qui est en haut, vous pouvez personnaliser, déplacer tout juste. Voilà, vous pouvez déplacer le personnage, tout simplement, déplacer tout juste un peu le personnage. Voilà. Déplacer tout juste un peu le personnage, par exemple, ici, par exemple, et les armées. Et voilà, vous avez votre logo, tout simplement. Tout simplement, pas besoin de voir un infographe. Lorsque vous allez finir, vous appuyez tout simplement ici, vous allez faire télécharger. Voilà. Une fois téléchargé, vous allez faire télécharger juste en bas. Voilà. Et voilà, Santana est téléchargé. Pas besoin de voir un infographe qui va vous demander une somme de 30 000 francs pour juste faire un petit logo. Je pense que vraiment tout le monde peut le faire à la maison. Et il y a tellement d'opportunités, voilà, tellement de choix de logo à faire. Vous pouvez le faire même vous-même. Donc j'espère vraiment que ce tuto va vous permettre, vous-même étant à la maison, de vous former. Comme je l'ai dit, c'est pas forcément logo. Je n'ai pas commencé par logo, j'ai commencé par plusieurs thèmes. Il y a église, il y a anniversaire, il y a bar, il y a finesse. Donc quel que soit ton choix d'activité, quel que soit ce que tu fais, il y a toujours des flyers qui sont là pour toi, que tu peux modifier, que tu peux même ajouter toi-même tes éléments pour toi-même créer. Voilà, pour toi-même créer ton propre contenu. Donc, je peux vous dire que dans l'année où nous sommes là, on n'a vraiment pas besoin de contacter un infographe pour ce genre de trucs. Vous pouvez contacter un infographe pour des trucs qui sont assez complexes. Il n'y a pas de problème. Il y a des activités qui sont vraiment complexes. Vous pouvez contacter un infographe. D'accord. Mais pour ces trucs simples-là, je pense que tu peux rester chez toi à la maison. Tu n'as pas besoin de faire des formations d'infographe et tout pour toi-même réaliser ça. Voilà. Le truc est déjà réalisé. Il suffit tout simplement que tu changes simplement les caractères qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire les noms, ajouter ton nom, voilà. Store, tu peux changer en boutique, ça dépend de toi. Ajouter ta photo, tout simplement. Je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, j'espère vraiment que cette nuit-là, je ne suis pas en train de prêcher dans le désert. J'espère vraiment que cette nuit-là, tout le monde pourra déjà faire son propre logo. Voilà, tout le monde pourra faire son propre logo. Et j'espère vraiment que cette vidéo-là va vraiment vous aider dans vos activités, que ce soit les ventes sur Facebook, les création de bannières, il y a même des créations de bannières dans le site, voilà. Vous allez pouvoir le faire et tout. C'est vraiment accessible à tous. Donc, j'espère vraiment que je peux vraiment vous aider. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres tutos, voilà. Et aussi d'aimer la vidéo, de partager aussi la vidéo à vos amis qui ont envie d'apprendre aussi comment eux aussi créer leur logo. Car lorsqu'on fait le commerce, c'est vraiment pas facile. Voilà, tout le monde, comme on le dit, tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Mais je pense que si l'information est relayée, si l'information est expliquée de tous, vous aurez la possibilité, vous aussi, de connaître, vous aussi, d'apprendre. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez surtout pas de partager et d'aimer. Portez-vous bien.